L'histoire se déroule 4 ans après la fin de la guerre d'indépendance de Zion, qui s'était soldée par la victoire de la Fédération. Néanmoins, les vaincus formèrent des groupuscules pour continuer la lutte dans l'ombre. C'est ainsi qu'en l'an Universal Century 83, les survivants de Zion apprennent l'existence de deux prototypes de Gundam équipés d'armes nucléaires. Ils chargent alors l'un des leurs, un pilote d'élite nommé Gato, de s'infiltrer dans la base fédérale et de voler une des deux machines. Mission qu'elle réussit parfaitement, même s'il est pris en chasse par un jeune soldat impulsif aux commandes du second Gundam, Ko Uraki. Ce dernier n'est cependant pas de taille à lutter contre un pilote chevronné tel que Gato. À la suite de ce coup d'éclat, la Fédération envoie une unité pour récupérer coûte que coûte le prototype dérobé. Zero 083 est considéré comme un des meilleurs animés de la franchise Gundam, tout du moins Universal Century, et ce n'est pas usurpé. On commence avec une réalisation de toute beauté. Si les premiers épisodes sont seulement très bien, on passe clairement un cran au-dessus rapidement. C'est beau, fluide, coloré, un vrai régal visuel. Le genre d'animé qu'on ne verra plus jamais à cause de la mort du celluloïde. L'histoire, quant à elle, se suit avec plaisir, malgré de-ci de-là quelques petites longueurs, mais rien de bien méchant. Les persos sont attachants, et d'autant plus humains, au sens propre et figuré, qu'aucun d'eux n'est New Type. Le concept n'est d'ailleurs même pas évoqué une seule fois. C'est un choix volontaire du producteur, Masao Ueda, au grand dam de Tomino, qui aurait bien voulu en voir dans cette série. Enfin, quelque part, oui, on en verra un ou une, et j'y reviens juste après. Chronologiquement, 0083 se situe entre Gundam de 1979 et Zeta Gundam de 1985, et comble quelques trous qu'il pouvait y avoir entre ces deux séries. On y croisera même 2-3 personnages tirés de Zeta, mais avec ici un rôle très mineur, dont Haman Karn. Ah, ça m'a fait plaisir, mais la scène dure 10 secondes à tout casser. Bon, quand je vous disais qu'on voyait du New Type, hein, j'avais pas menti. Par là même, on a un animé plus réaliste que les épisodes classiques de l'Universal Century. En contrepartie, l'ambiance est très militaire. Pas de jeunes prodiges qui se retrouvent par hasard aux commandes d'un Gundam. Ici, tous les pilotes sont des adultes dont c'est le métier. Véritable succès, 0083 se vendra à plus d'un million d'exemplaires si on prend en compte les versions VHS, Laserdisc et plus tard DVD. Et figurez-vous que sous chacun de ces formats, au moins un épisode à chaque fois a fini carrément numéro 1 des charts. C'est le seul Gundam qui a réussi un tel exploit. L'unique problème se situe au niveau musical. Pas bon ? Non, au contraire, les génériques sont excellents et les BGM superbes. Alors quoi ? Eh bien, à propos des BGM, elles sont composées par Mitsuo Hagita. Et là, j'en vois qui commence à prendre peur. Hagita est en effet tristement célèbre pour ses plagiats. Ses gros plagiats. L'OST de Gundam 0083 comporte donc pêle-mêle des reprises plus ou moins, parfois très inspirées, de morceaux issus de films américains comme Invasion USA ou Brainstorm. Hagita avait déjà composé l'OST des OVA de Lodos, magistrale certes, mais elle aussi plagiant allègrement celle du film Léviathan. Pas besoin d'avoir vu Gundam ou Zeta pour apprécier, même si évidemment ça apporte un plus. Je le conseille donc à tout le monde. Et si Gundam ou les combats de mecha vous emmerdent,
alors visionnez plutôt 0080. Pour finir, précisons l'existence d'un film résumé de la série, mais qui est une catastrophe dans son montage, il faut l'oublier et ne regarder que les OVA. オリジナルビデオ最新作5月23日発売開始。君は生き延びることができるか。